avons procédé à des inaugurations, à l'inauguration d'infrastructures assez importantes, notamment dans le domaine de la promotion des activités de jeunesse, notamment le foyer des jeunes de Touba Tranquille, dans le domaine de la promotion de l'accès aux soins de santé, en inaugurant la case, le poste de santé de Kouram, qui pluralise un nombre important de villages. Et nous voici terminer la série d'inaugurations par la case de Toukoti du village de Ngonyam. La réalisation de ces infrastructures par le PUMA répond effectivement à la vision du chef de l'État qui veut que les territoires frontaliers puissent bénéficier d'infrastructures capables d'assurer l'épanouissement social des populations, mais d'assurer globalement le bien-être des populations de ces localités. Le président de la République a une vision sur l'équité territoriale et l'équité sociale, c'est-à-dire tout Sénégalais, partout où il puisse se trouver au niveau du territoire national, doit avoir les mêmes accès aux services sociaux de base. Et tout territoire également, toute partie du territoire national également, doit pouvoir accueillir des infrastructures nécessaires pour le développement et l'épanouissement social des populations.